Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est pour nous tous, tous ceux qui voulons nous rejoindre, cette grande famille globale hein, que nous sommes. Parce que nous sommes une grande famille globale. On est interconnectés hein, par le vide qui nous sépare, qui n'est pas vide. Il n'y a pas de vide entre nous, il n'y a pas de vide entre vous et les objets. Et c'est maintenant prouvé, et qu'on a une force incroyable en nous, hein, une force non seulement incroyable pour réaliser plein de choses, mais une force de guérison aussi, incroyable, mais il faut trouver le bon diapason, et ça c'est important de comprendre ça. On est le 12 novembre 2019, 11h28 heure du Québec, heureux de vous retrouver, dans ces évolutions, dans ces cheminements qu'on a tous. On a tous un cheminement. Parce que dans le fond, on est tous, comment dire, limités à l'enveloppe dans laquelle on est, n'est-ce pas? Ça, c'est notre véhicule, votre corps, mon corps, et on ne peut pas y échapper. Et on est là-dedans jusqu'à la mort. Et après ça, on verra ce qui va arriver. D'où on vient, en tant qu'individu, c'est un autre mystère. Et on se questionne beaucoup ici à Freedom News Network. On parle de tout. Et c'est important de parler de tout, c'est important de se casser la tête avec tout, mais c'est important d'essayer de comprendre où on va, parce que dans le fond, au-delà de la politique, au-delà des finances, de l'économie, du climat, on est là, et on sait qu'on est là pour une raison, et qu'on s'en va vers une destination finale, qui nous amènera ailleurs, vous et moi, on se perdra, peut-être, ou on se retrouvera. Pour l'instant, on est là ensemble, connectés, quand on se réveille le matin, hein? On est là connecté, on se reconnecte, et je vous remercie d'être là, de me faire confiance et de partager vos impressions, vos commentaires, vos recherches. Mais on est là ensemble maintenant, pour combien de temps, on ne le sait pas. Est-ce qu'on se retrouvera de l'autre côté du rivage? Je ne le sais pas non plus. Mais pour l'instant, on est là, puis on se casse la tête ensemble, puis on essaye de trouver des réponses à nos questions, qui sont beaucoup plus importantes que les problèmes sociaux et politiques qui sont aussi d'une importance, mais rien comparativement à notre accomplissement individuel dans cette grande famille globale et dans cette universalité des choses. Ceci étant dit, il y a des découvertes incroyables qui ont été faites. D'où on vient? Ça, c'est une question qu'on se pose, hein? Et on a eu... Et c'est comme ça que je vous dis que de plus en plus, les gens commencent à questionner, des scientifiques commencent à questionner, des archéologues commencent à questionner l'histoire traditionnelle qu'on nous a imposée dans les livres hein, d'histoire, l'histoire standard qu'on veut bien nous donner et qu'on nous a donné, alors que c'est vraiment tellement plus vaste que ça, que tout est cyclique apparemment au niveau des civilisations à coup de 5000 ans et qu'on pourrait remonter à peut-être 200, 300 000 ans de ces cycles de 5 000 ans hein, qui vont et qui viennent et qui vont et qui viennent. Et qu'on a une mémoire aussi génétique, une mémoire cellulaire, tous. On a une mémoire collective, je pense. Et on pourrait même aller jusqu'à dire, et c'est ça qui est vraiment fascinant, quand je récite, prier d'abord, peu importe les religions, c'est vraiment pas important. La prière, c'est un outil de connexion avec la matrice divine, parce qu'on fait tous partie de cette matrice divine-là, et que tu le veuilles ou non, que tu sois croyant ou non, que tu sois musulman, chrétien, c'est pas important, on fait tous partie de cette matrice divine. Puis en tant qu'individu, on a un moyen de communiquer avec cette matrice divine-là, c'est la méditation, c'est la prière, appelez ça comme vous voulez, c'est une connexion avec la matrice divine, qui nous est permise et qui nous est possible. Et chacun a sa façon de rentrer en contact. Et moi, j'ai toujours deux prières très simples que je récite plusieurs fois par jour, parce que je trouve qu'elles sont extraordinairement simples et elles veulent tout dire. Ces deux prières naturellement chrétiennes, parce qu'on a grandi, moi j'ai grandi dans un environnement chrétien, c'est le « Je vous salue Marie » et le « Notre Père », qui sont des prières universelles d'une force incroyable, d'une beauté extraordinaire. Et ce matin, j'étais en train de la réciter. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus est le fruit de vos entrailles. »
Et je me suis trompé parce que j'étais distrait. J'ai dit, Jésus est le fruit de nos entrailles. Puis là, je me suis rendu compte de ma faute. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? C'est peut-être pas une si grande faute que ça. Parce qu'on a tous, dans le fond, cette mémoire universelle de cet événement extraordinaire. Et que peut-être qu'on a tous enfanté, on a tous dans nos entrailles ce fameux Jésus. Donc, ça va amener à une autre réflexion, comprenez-vous? Et c'est ça la beauté de l'esprit humain. Et comme je vous reviens au début de ce que je voulais vous raconter, que d'où on vient, l'origine de la vie, pendant longtemps, l'histoire standard, c'est de vous dire, et on a adhéré à ça il y a 150 ans, la théorie de l'évolution de Darwin. Comprenez-vous? Avec des concepts, des préceptes, on a voulu s'arrêter à ça, puis on a pensé que c'était ça, la réalité. Et pendant longtemps, c'est encore dans les livres, on nous impose cette vision traditionnelle, cette imposition de cette partie de l'histoire qui ne marche pas maintenant avec la vraie science. Parce que la science a découvert autre chose. La science a découvert que il y a 200 000 ans, et ça ne remet pas en question la théorie de l'évolution qui existe, il y a sûrement une évolution qui existe, mais concernant l'humain, ça ne marche plus. Ça brise, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la science prouve aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. La science nous dit, et voilà ce que la science nous dit concernant les gènes, et dans cette évolution, on nous a mis dans la tête qu'on était apparu d'une évolution du primate au néandertal. Et vous connaissez toute cette théorie de l'évolution qui ne marche pas pour l'être humain. Parce que la science prouve le contraire. La science d'aujourd'hui, et j'aime bien Greg Braden que vous connaissez sûrement, que j'écoute de plus en plus, que j'ai découvert il y a quelque temps, mais plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que c'est important d'écouter des gens comme ceux-là, qui est un géophysicien, qui est un ingénieur, mais qui a dévoué sa vie à la vulgarisation de ce qu'il pense et de ce qu'il a comme conviction, nous apprend qu'il a un ami, enseignant, scientifique, qui a les preuves en main, et d'ailleurs c'est maintenant répandu, qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 200 000 ans, à l'apparition à peu près de l'être humain. Hein? Et que l'ADN de l'être humain n'a rien à voir avec l'ADN du Néandertal, parce qu'on a été capable de reconstituer en laboratoire l'ADN des restes qu'on a trouvés de ces fameux êtres néandertaliens, et qui n'a rien à voir avec l'ADN de l'être humain. Donc c'est fascinant. Il y a quelque chose qui s'est passé, et ça ne répond plus à la science. Donc, d'où originons-nous? Tout est possible. Mais une chose est certaine maintenant, la science nous dit clairement que on n'a rien à voir avec cette théorie de l'évolution qu'on nous a imposée, qu'on nous a appliquée. Et qu'on ne descend pas de cette succession d'évolution de primates jusqu'au à l'homme de Néandertal. Donc, c'est vraiment fascinant et c'est vraiment important de comprendre ça. Et on continue à propager cette idée-là dans les... Et Greg Braden disait à son ami, qui est enseignant, il dit, « Mais pourquoi tu ne partages pas ça? » Il dit, « Je ne peux pas partager ça. Je vais perdre tout ce que j'ai. » Parce que c'est le concept qu'on a décidé d'embrasser et c'est l'histoire standard qu'on veut continuer à propager. Dans le fond, c'est qu'on vous dit que ce principe de la théorie de l'évolution et de ces gens-là qui nous donnent la standardisation de cette histoire-là qu'on veut bien nous donner, que l'être humain est arrivé de façon complètement hasardeuse,
que la création de la Terre et de l'univers s'est faite de façon complètement hasardeuse, et que tout ça est remis en question et que la science prouve que c'est pas exactement ça qui est arrivé. Parce qu'on veut, dans le fond, diminuer, comme je l'ai souvent dit, mais c'est d'arriver à la bonne source, parce qu'on emprunte tous différents chemins pour, souvent pour arriver à une même conclusion. J'ai toujours dit qu'on voulait, qu'on nous avait enlevé la divinité en nous, et que c'était ça le but de ces gens-là, mais il faut le mettre dans une présentation plus positive que négative. Et des fois, j'ai eu tendance à faire ça d'une présentation négative en utilisant des mauvais chemins, mais la conclusion est la même. On veut nous enlever notre divinité pour des raisons bien évidentes. Hein? Donc, la science nous dit que l'ADN des Néandertaliens n'est pas notre ADN. Et c'est important de comprendre ça. Vraiment important de comprendre ça. Aucun ADN humain trouvé dans les génomes néandertaliens. Wow! Vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment fascinant. Je vais vous laisser le lien de la vidéo de cette entrevue de Greg Braden avec London Real, vraiment fascinant. Mais il fallait que je vous partage ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment tellement informés que vous saviez tout ça déjà. Mais on ne le répand pas, on ne veut pas le répandre. Pour des raisons bien évidentes que ça, qui sautent aux yeux. Mais entre nous, on peut se le permettre de se le dire. Et c'est complètement... Wow! C'est probablement le message qui porte le plus d'espoir, je trouve. Je vous reviens.